Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 12 juin, il est 10h30 et une petite vidéo vite fait, bien fait sur le pouce pour donc un petit récapitulatif des prochains échanges pour celles qui voudront les faire. Donc on a toujours encore en cours, on a la Lodi d'enveloppe. Sur le thème donc mer océan avec un minimum de 2 sacs 3 pochettes et une lollipop ou un moulin, d'accord. Ensuite là de nouveau vous aurez donc là, donc c'est jusqu'au 21 juillet je crois la Lodi d'enveloppe, hein. Ensuite là jusqu'au 7 juillet, si ça arrive après. Moi, c'est plus pour moi me fixer un but que, si vous voulez, à cette date, moi, j'ai un minimum de temps de CBA, mémoire d'ex, faite pour les échanges, d'accord. C'est surtout pour moi les dates, parce que, vous voyez, je ne suis pas très au point niveau du temps de quand je vous envoie des trucs, machin, bidule, donc voilà. Ensuite, il y a... Putain, je vais rappeler les changes et je vous dirai après, parce que je ne sais plus. Donc, pour à part... Donc, vous aurez jusqu'au 7 juillet, enfin, surtout moi, pour faire... Alors, une CBA, je rappelle les dimensions, 9 cm de large, 10 cm de haut, la carte boulette, sur le thème des papillons, avec une touche de violet, d'accord. Ensuite, une Memory Dex, pour la taille, c'est 10 cm de large, 8,5 de haut, sur le thème des astres, avec une touche de noir. Et ensuite, une petite ATC, donc qui fait 6,4 cm de large. Vous ne pouvez pas changer les tailles. L'ATC, c'est comme ça, il n'y a pas de fioriture, hein, ok. Il n'y a pas de fioriture au niveau de la taille, quoi. Et 8,9 cm de hauteur. Il faudrait qu'on en fasse un petit tuto quand même ensemble sur un thème libre, d'accord, ce que vous voulez, par contre avec une touche de bleu plus une dentelle ou un tissu, voilà. Tout ça, enfin pour les cartes qui est offerte, j'en ai pas parlé de ça. C'est bizarre que je n'y ai pas noté. Bref, c'est bizarre. Tout ça dans une dans un happy mail où vous avez donc le tuto qui est fait. Vous le trouvez dans la playlist tuto autour du scrap. Vous verrez, c'est très simple. Et là, je pense vous en refaire un de tuto pour une autre, pas dans le même style, mais d'une autre manière. Comme ça, vraiment, vous aurez plusieurs solutions. Ça peut avoir plusieurs formes. Voilà. C'est moins gros que la Lodi d'enveloppe. Donc, au niveau de l'envoi, c'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est sympa à faire. Vraiment, c'est sympa à faire. Donc, pourquoi pas essayer ça. D'accord. Et puis, selon comment se passe, en gros, cet envoi, d'accord, eh bien, on avisera si on continue comme ça ou si juste on fait nos petites cartes et on les envoie comme on veut. Voilà. Mais pour le coup, là, je voulais un petit peu tester ça.
Donc après, si vraiment vous n'avez pas la foi, le temps, ce que je peux tout à fait bien comprendre, il n'y a pas de souci, vous serez pas, y a pas de pénalisation, hein, vous aurez quand même moi mon retour forcément. Hein. Après, c'est sûr que c'est mieux si on fait l'échange comme il faut. Voilà. Bref. Voilà, voilà. Tout ça pour ça. Je voulais vous faire le tuto des attrape-soleil. J'ai sorti tout un tas de trucs pour faire. Et s'envoler comme un oiseau sans plume. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Ça me fatigue. Je me fatigue toute seule. C'est un truc de malade. Voilà. À midi, qu'est-ce qu'on va manger? Une salade de riz. Voilà, c'est très bien, une salade de riz. Et puis... une salade de riz et puis voilà, voilà, quoi. Je suis pas encore à la douche, je vais y aller cet après-midi tranquille. Charlie, ce matin, je le laisse pas tout se passer très bien jusqu'au moment où il se fout de ma gueule, encore une fois. Où en plus il répond, il m'énerve quand il fait ça. Il répond, il gueule dessus, mais aussi plus fort que moi. C'était un truc de dingue. Pourtant, j'y ai cru pendant 2 jours là que ça allait être une super semaine. Mon cul, ouais. Mon cul, il a entendu son papa qui avait mis l'autre dehors. Mais bon, il y a des trucs que moi je crois absolument pas. Donc, voilà. Je pense qu'il va avoir une belle surprise à mon avis la semaine prochaine quand il va retourner chez son petit papounet d'amour. Hein, comme il dit. À mon avis, il va descendre les 14 étages parce que je suis persuadée que. L'autre va réapparaître à ce moment-là. Et puis, voilà, voilà. En plus, soi-disant, il s'est trompé. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il s'est trompé, que c'était pour sa maman. Ouais, bien sûr. Je suis pas un pigeon. Hein. J'ai pas d'ailes, j'ai pas de plumes. Et encore moins dans le cul. Voilà. Donc, bon. Après, il fait ce qu'il veut en soi. Je comprends pas pourquoi il me... Enfin, c'est pas grave, hein. Si c'est pour sa meuf, c'est pour sa meuf. Hein. Moi, j'ai pas... Mais j'ai jamais eu de message comme ça, hein, putain. Voilà, voilà, quoi. Bref, passons. On va mieux en rire, hein, parce que... Sinon, je vais pleurer. Mais justement, en même temps, j'ai... La douche, tout va aller au sale parce que je suis crade, je me vois partout. Du coup, en fait, c'est pareil. Alors, le livre altéré, on est quand même proche de la fin. Hein. Moi, j'ai bien avancé, je vais vous montrer, je vais aller chercher. J'ai bien avancé. Après, moi, là, ce qui me pose problème avec mon livre à gris, là, que je suis en train de couper ensemble, là. Regarde, il m'a déjà pris de l'épaisseur. Ce qui me pose problème, c'est que ça fait très, très écriture. Je trouve, même en mettant des stickers à droite, à gauche, on va essayer de se mettre bien. Comme ça. Ah, vous voyez, ouais. Vous voyez, en fait, ça fait. Bon, là, ça va encore. J'ai dit, pour qu'on fasse au plus vite la fin, j'ai quand même envie de passer à autre chose. Donc là, vous voyez, ça va parce que c'est en couleur, d'accord. Mais regardez après. Vous voyez, même avec le washi, je trouve, les petits stickers, ça fait encore beaucoup d'écriture. Regardez là, vous voyez. Même avec le rose, hein, ça fait vraiment beaucoup d'écriture. Donc, je sais pas. Je pense que je vais prendre le temps de refaire quelques pochettes, enveloppes, je ne sais quoi. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'écriture. Vous voyez, moi, j'ai posé le... Là.
Après, quand je vous dis que je l'ai bien avancé, c'est que je l'ai bien avancé. Hein. J'ai quasiment pas toutes mes pages, mais presque en tout quelque chose. Vous voyez, là, il faut pouvoir que je fasse des trucs un peu style musique, parce qu'en fait, j'ai envoyé là, à quelqu'un ça. Tout ce que j'avais fait avec des partitions, des trucs comme ça. Tout. Il n'y avait pas grand-chose non plus. Bon, pas ce... Mais vous voyez, ça fait vraiment beaucoup écriture, quoi. Et ça me... Ça me convient moyennement. Donc, il faut que je refasse ou de la pochette un peu comme ça. Dans les deux, je peux faire les deux. Hein. Vous voyez, là, j'ai fait une... Mais c'est pas fermé. On pourrait s'en servir comme un peu un intercalaire, un truc, voilà. Mais vous voyez, oui, si, je l'ai bien avancé, quand même. J'ai mis pas mal... J'ai déjà mis pas mal de pochettes, d'enveloppes. Il en manque, bien sûr. Mais, vous voyez, il y en a quand même... Il y en a demi, hein. Déjà. Ça, je veux pas vous speeder le trouf, hein, mais... œuvrez, œuvrez qu'on puisse vite faire la couverture. Ce serait bien. Voilà, faire l'attache aussi, pour pouvoir le fermer. Il est vraiment gros, celui-là, je trouve. Là, vous voyez ici, hein, je vous dis, j'ai œuvré. Quand je vous dis, j'ai encore de la place, encore des choses à mettre, bien sûr. Il n'y a rien. Là, hop, il y a quelque chose. Là aussi. Là, on n'a rien encore. Là, on a... On a... Là aussi... Bien sûr, c'est pas là, hein. Je vous dis. Quand déjà vous avez fait toutes vos pages, par exemple là, votre page de, vos pages de droite, bah, c'est déjà énorme en fait. Hein. Et je pense qu'en fait, en mettant. Là, c'est fait. Là, là. Ouais, si, j'ai bien œuvré. Hein. On croirait pas comme ça. Du coup, j'ai réussi à caser. Celui-là. Je viens de gommer, là, là, là. Mais comme je vous ai dit, là, le but, c'était déjà de le remplir avec les enveloppes et tout ça, tout ça. Hop. Alors, il en reste, mais... Et vous voyez, je vous dis, hein, moi, j'ai pas hésité, j'ai fait dépasser, c'est pas grave. Et là, ça dépasse. Et là aussi. Et on aura sûrement d'autres. Hein. Ensuite, moi, j'ai gardé... c'est sur une place. Je pense là. Sur une des deux. Hein. Ou là. Pour venir rajouter un petit calepin. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, j'ai laissé mes pages devant là. Pour faire ça. Qu'on prend ensemble, bien sûr. Hein. Et j'ai aussi laissé mes pages là. Ceux-là. Elles sont très épaisses, ceux-là, parce qu'en plus, vous voyez, j'ai mis... Ça, je les avais renforcés avec les papiers là, donc... voilà. Mais ça avance pas mal, pas mal. Vous voyez, ça fait vraiment ton sur ton, je trouve. C'est pour ça qu'il va falloir que je vienne faire quelque chose... Que je vienne rajouter des pochettes qui sont un peu plus colorées, un peu plus dans des papiers, voilà. Donc ça, je pense que je vais essayer d'en faire au boulot, ou je sais pas, tranquillement, si j'ai un peu de temps. Et puis si j'ai pas de temps, bah, une fois, on aura ça ce week-end, mais c'est vrai que j'aimerais bien que ce week-end, on avance là-dessus, qu'on fasse le petit livret, et puis également, et puis la couverture, voilà. Ça serait magnifique. Après, je dis, ça serait magnifique, parce qu'à chaque fois que je lui dis, on va faire ça, ça, je vais faire ça, ça, j'y arrive pas. Comme là, l'histoire des coquelicots, ça me blase. Je suis encore allée un petit peu ce matin rôder là-bas dans le champ des chevaux, machin. Donc vraiment, tous les coquelicots sont en bordure de route et ça fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier. J'ai pas envie de faire un sirop pour la toux avec des trucs qui sont tout le temps au bord de la route, qui prennent toute la pollution possible et inimaginable. Voilà, voilà.
Et puis, wali walou. Je vais mettre en route là sûrement peut-être le tuto, nouveau tuto du Happy Mail. Je vais vous montrer celui qu'on avait fait là. Déjà, si vous vous rappelez pas, ça vous permettra peut-être de retrouver le tuto plus facilement. Allez. Puis, je vais vous montrer ça aussi. Alors. Je vais vous montrer le Happy Mail. Vous vous rappelez? Bon, c'était assez simple à faire, hein, si vous vous souvenez. Mais rien de bien compliqué. D'accord? C'était comme ça. On ouvrait comme ça. Comme ça. D'accord? Bon, bah là, par exemple, vous pouvez mettre la Memory Dex. Là, vous pouvez mettre la TC. Là, la CBA. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces pochettes-là. Moi, j'ai fait celui-là parce qu'il est venu comme ça dans ma tête. Voilà. J'ai essayé de faire un petit peu la même chose que Gaëlle, mais en plus petit. Parce qu'il y a bien plus de pages. Bien plus épais, bien plus gros, quoi. Mais ça, c'est déjà gros, moi, je trouve. Hein. D'accord? Donc, on va en refaire un jeu dans une autre sorte, dans une autre style. Et ensuite, j'ai donc accroché tous vos CBA et vos Memory Dex hier soir. Donc, j'ai gardé le petit truc à Gaëlle, où elle avait mis ce que c'était, comme ça. Et du coup, je les ai mis devant. Comme ça, je sais en gros ce que c'est. Puis après, il y a toutes vos cartes. Comme ça. Elles sont trop jolies en plus, vraiment. Elles sont toutes vraiment très différentes. Voyez. Putain, j'arrive pas. Puis voilà. On va mettre comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que l'anneau, si on fait ça sur, je sais pas, même 6 mois, ça suffira pas. J'ai même peur que certaines, ça les abîme en fait. Donc, je trouve peut-être une autre solution. Je vais y réfléchir en tout cas à une solution pour qu'on puisse les collectionner sans que ça nous coûte trop de sous pour acheter, pour pouvoir les mettre quelque part. Donc, c'est en cours de cogitation. On fait pareil pour les Memory Dex. J'ai gardé son petit tag où elle a écrit ce que c'était. Comme ça, voilà. Et puis après, bah, j'ai mis toutes vos Memory Dex. Là, par exemple, dessus, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 11 et vous voyez, c'est déjà bien plein. Je pense que je pourrais mettre encore une ou deux et basta. Pour ça, il faut que je trouve une autre solution ou tout simplement des anneaux plus grands. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Voilà. En tout cas, mille merci parce que ça me fait un... En un échange, c'est vrai que ma collection l'a pris direct de l'importance, quoi. Donc, voilà. En tout cas, encore merci pour vos participations. J'espère que vous allez encore participer là. Vous n'êtes pas obligé de me mettre tout un tas de trucs avec vos Memory Dex. Hein, c'est pas le... Ou les CBA, c'est pas trop... Enfin, c'est super gentil, hein, mais c'est pas forcément ce que je demande. Et j'ai pas envie que vous ruiniez pour moi. Vous avez tous des familles, des enfants, des trucs. Moi, si des gens font les échanges comme ça, moi, ça, c'est super. Hein. Je veux pas que vous croyez que je fais ça pour recevoir tout un tas de trucs. Voilà. C'est pas mon but premier. Vraiment, pas du tout. Hein. Mon but premier, c'est d'échanger avec vous des petites choses, des petits... voilà. Tout ça, quoi. Tout ça, tout ça. Je prévois, donc là j'ai envoyé pas mal de trucs. Là, la semaine prochaine, je pense que Volo, j'enverrai la semaine prochaine. Je suis pas sûre aujourd'hui d'avoir vraiment le temps. Demain matin, encore moins. Et puis après, moi, la poste elle est plus ouverte hein, le samedi. Donc après, ça repousse à la semaine prochaine. Tout simplement parce que j'ai encore des tas, mais je sais qu'il y a des choses qui passeront pas dans la boîte jaune là qu'on met.
Donc, je suis obligée de l'emmener à l'intérieur. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ah, et putain, j'ai halluciné en fait. Donc, Karine, son envoi, j'avais pas tilté sur le coup, journal à la main. Et puis, en fait, hier soir, en rangeant, j'avais envie de re-regarder tout ce que vous m'avez envoyé depuis le début. Et du coup, déjà, j'ai ma petite larmichette, parce que j'ai relu tous vos courriers et tout. Enfin, bref. Moi, dans ma splendeur, quoi. Et je prends donc les courriers de Karine et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ils n'ont pas oblitéré les timbres qu'elle a mis. Donc, je les ai récupérés, je les ai mis de côté. Et forcément, déjà, je répondrai à Karine, ça c'est sûr. Pas tout de suite parce que je voulais attendre certaines choses pour pouvoir après venir lui en parler dans ma lettre. Et puis voilà. Voilà tout ça quoi. Et puis donc aussi. J'ai l'envoi de. Comment ça s'appelle? C'était Corinne ou je sais plus. Où il y avait un petit cadeau dedans, je ne vous ai pas montré. Est-ce que, s'il te plaît, cette dame qui se reconnaîtra peut m'envoyer son adresse? Tu n'as pas mis ton adresse dans le colis. Moi, je ne peux pas te répondre en fait. Je peux pas. Et ça, j'aime pas en fait. Moi, j'aime bien répondre à vos courriers. Même si je mets un petit peu de temps, je vous réponds. Donc, s'il vous plaît. Help me, help, help me, help. Help me, help. Voilà, j'aimerais bien pouvoir vous répondre. Mettez bien vos adresses, s'il vous plaît. Et là, je crois que c'était Corinne. Je pense, je sais pas. Attendez, je vais regarder vite fait. Oui, donc ce n'est pas Corinne, excusez-moi, c'est Claudine. Est-ce que tu pourrais essayer de m'envoyer ton adresse postale par mail? L'adresse mail, tu la trouves en haut. Comment? En haut dans la description de la chaîne. Voilà. Ça serait carrément top si tu pouvais faire cela. Je vais quand même regarder si je l'avais pas déjà. Et puis ma connerie. En fait, j'ai peut-être son adresse. J'en sais rien. Parce que j'ai une adresse d'une Claudine, là. Mais... je sais pas. Alors, attendez. Je reviens. Non, je sais pas si c'est la bonne adresse que j'ai. Parce que là, la Claudine que j'en ai, c'est dans le 36. Martizet. Et puis, l'envoi, là, le truc qui était oublié, hein, les timbres, quoi. C'est 37. Des partenaires, je sais pas. Je sais pas. Voilà, ça serait bien. Je n'ai toujours pas de nouvelles d'Angélique. Je sais pas. Franchement, voilà. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ensuite, je répondrai à Sylvie qui m'avait fait un envoi plaisir, il me semble. Tout cela, ça sera tout la semaine prochaine. Là, je me suis vraiment occupée des mémos, tout ça, là. Et donc, la semaine prochaine, ce sera les volos. Et puis, tous les courriers plaisirs que vous m'avez fait. Voilà, le retour de ça. Attends, je suis en train de me dire, mais j'ai pas envoyé le truc à Christelle, là. Numéro 6. Un boulet, j'ai complètement cuté ça. C'était Christelle. Bon, ma vidéo s'est coupée parce que j'avais plus de temps. Heureusement, je ne l'ai pas perdu pour une fois. Wouhou. Donc, chance. Voilà, donc je m'actionne, j'essaye d'aller au mieux, au plus vite pour vous répondre à toutes. Les mauvais œufs, ça fait. Du coup, je vais me sortir les doigts du cul pour Christelle parce que j'ai complètement zappé cette histoire. Et puis voilà, la semaine prochaine, j'envoie les lots, j'envoie tout ça, tout ça. Et puis peut-être que donc pour certaines, j'enverrai déjà les memories d'ex que j'ai et tout ça. Pour une fois, je serai en avance. Voilà. Et Mélodie dans le possible.
Les poches d'épinards, je les ai bien attaquées, mais faut finir. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!